Salut à tous, c'est Christophe de CM Football. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de Parlons OM. Alors, ça va être un numéro un peu plus court que d'habitude aujourd'hui, compte tenu de la performance de l'Olympique de Marseille hier. On va revenir comme d'habitude sur les faits du match, les enseignements, les top flops qui seront plutôt des moyens flops, et on se parlera de la suite. Alors, sur le fait du match, évidemment, c'est ce doublé de Jonathan David à la dernière minute dans les arrêts de jeu du match avec Mandanda qui a relâché un ballon. Mandanda qui avait fait plutôt un excellent match, c'est pour dire le niveau de performance offensif de l'Olympique de Marseille. Il a relâché ce ballon. C'est symptomatique de ces dernières semaines où il a réalisé plusieurs erreurs. On sent un gardien qui est en difficulté, je pense, plus mentalement que physiquement. Et je pense qu'il doit peut-être se poser la question de terminer sa carrière, en tout cas à la fin de la saison. En tout cas, il a l'air touché par tout ce qui se passe actuellement à l'Olympique de Marseille. On le voit dans ses performances sur le terrain. Donc, Lille qui l'a emporté 2-0, le deuxième but est plutôt anecdotique. Et donc, dans les enseignements, parce qu'on peut tirer de ce match, d'abord, c'est au niveau tactique, c'est de voir que Nasser Larguet avait positionné un 4-3-3 avec Ncham sur le côté gauche, ce qui était plutôt intéressant sur le papier. Il a très rapidement changé son système tactique en repassant en 4-2-3-1 avec Camara, Gueye en double pivot. Alors, on a vraiment senti les Marseillais en difficulté hier face à cette équipe lilloise qui a bien utilisé les couloirs, notamment avec Reinaldo et Tchelik sur les côtés. On a senti Thauvin en difficulté. On a senti Ncham plutôt transparent sur la première mi-temps. Et on a senti la paire Renato Sanchez, Benjamin André, qui prenait le pas sur Gueye, un peu plus en difficulté selon moi sur ce match, et Camara, même si Camara pour moi surnage dans ce milieu de terrain. Alors après, Mandanda a fait le job, en tout cas pour une grande partie du match. J'ai peu d'enseignements à en tirer parce que j'ai vraiment envie de voir en fait Sampaoli arriver. On va passer au moyen top, moyen flop tout de suite. Je vais ressortir deux joueurs. Alors un au-dessus évidemment, c'est Camara qui pour moi surnage dans ce milieu de terrain, mais c'est pas encore un top hein, compte tenu du match d'hier. Seulement un tir cadré pour l'Olympique de Marseille, c'est inadmissible, et c'est un tir cadré de Camara. En autre moyen, je dirais Lirola. Pourquoi Lirola moyen? Parce que je le trouve important dans le système offensif sur son couloir, mais j'ai toujours des doutes sur le côté défensif, même si il est meilleur que son pendant à gauche qui est Nagatomo. Voilà, j'attends de voir encore pour me faire une idée sur la partie défensive. En tout cas, sur la partie offensive, j'ai pas de doute sur lui. Il apporte vraiment à l'équipe. Et dans les flops, d'abord, on va dire Payet qui a retrouvé une forme physique mais qui n'accélère pas. Je le sens perdu dans ce système. On ne sait pas réellement où il se positionne. Thauvin qui était complètement à la ramasse. Ça fait deux matchs, ces deux derniers matchs en tout cas. Il revient de blessure, d'accord, mais bon. Pour un joueur qui doit revenir, qui doit chercher une prolongation ou qui doit chercher un club l'année prochaine, c'est un peu difficile. Bon, oui, le dernier flop pour moi, c'est Nasser Larguet. Voilà, bon, j'ai envie de passer à la suite en fait. Maintenant, c'est clair, Nasser Larguet, parce que il tâtonne avec ses systèmes de jeu. Voilà, ça a fait la transition. Il a un bilan avec une victoire en championnat. Voilà, beaucoup de matchs nuls. Voilà, c'est la transition, on va passer à Sampaoli, c'est important pour l'Olympique de Marseille. J'ai envie de voir en fait les joueurs bousculés, j'ai envie de voir les joueurs mis en difficulté par cet entraîneur qui va apporter en fait de la grinta, qui va apporter en fait quelque chose de supplémentaire, et on a envie de voir ça à l'OM. On a envie de voir en fait des joueurs qui vont vers l'avant. Alors est-ce que ça va être avec cet effectif-là? Je ne sais pas. Vraiment, je me pose la question de savoir quels vont être les objectifs d'ici la fin de la saison. Alors c'est clair, on a envie de voir l'Olympique de Marseille en Coupe d'Europe l'année prochaine, parce qu'on a envie de voir un stade Vélodrome plein, on a envie de voir de la folie dans cette équipe. Mais avec quel joueur? C'est la vraie question qu'on se pose. Voilà, j'ai envie de vous poser cette question. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Qu'attendez-vous de Sampaoli? Qu'attendez-vous des joueurs de l'Olympique de Marseille sur cette fin de saison? Est-ce que vous attendez la Coupe d'Europe? Est-ce que vous avez envie de voir Marseille en Coupe d'Europe? Est-ce que vous avez... Qu'attendez-vous, voilà, de Sampaoli? C'est vraiment la question que j'ai envie de vous poser. La suite, c'est la Coupe de France dimanche, avec le dernier match de Nasser Larguet. Donc, bon, on espère une qualification quand même. Et puis, on a envie de se projeter, hein, mercredi prochain,
Mercredi, ouais, en 8, ça sera le match en retard face à Rennes. Avec la première de Sampaoli sur le banc, il n'aura que quelques entraînements avec les joueurs, mais on attend déjà de voir ce qu'il va pouvoir donner, quel souffle il va pouvoir insuffler. Voilà, vous le voyez, j'ai envie de passer à autre chose. On a tous envie de passer à la suite et de voir ce que va donner ce nouvel entraîneur. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux débriefs et surtout pour de nouvelles victoires de l'Olympique de Marseille. Ciao !